les pépites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce mardi. Donc j'ai prévu l'oracle de la sorcière guérisseuse. J'ai prévu aussi l'oracle G. Donc on va voir ensemble, voilà, les énergies pour ce mardi. N'oubliez pas de faire partager donc cette vidéo autour de vous, de vous abonner, voilà, de mettre un petit like, un petit pouce en l'air. C'est super important pour la visibilité de la chaîne si ça vous plaît. Si ce contenu vous plaît, vous pouvez me retrouver sur sandrinecouder.com pour vous offrir donc mes services de rituel ou bien de voyance. Donc nous sommes partis pour le tirage de ce mardi. N'oubliez pas que c'est un jour martien, donc un jour de Mars. Et donc on fait donc tous les rituels associés à la guerre, associés à la défense. Alors vous pouvez évidemment aller consulter donc la vidéo l'influence des jours en magie pour, voilà, on va dire, apprendre l'influence des jours en magie. Donc, chaque jour a son élément, on va dire, planétaire. Voilà, donc, allez consulter donc cette vidéo. Nous allons commencer maintenant le tirage de ce mardi avec les énergies des sorcières, de la sorcière guérisseuse. Donc, nous avons les herbes médicinales. Donc, on a la blessure, la guérison et la potion. Et nous avons également donc la femme guerrière, la combativité et l'action, le renoncement. Donc moi je pense qu'avec ces deux cartes-là, donc vous allez renoncer à quelque chose, à une blessure. J'ai l'impression qu'on parle de blessure, on parle de pardon donné à quelqu'un pour ce mardi. Donc j'ai l'impression que vous allez lâcher prise sur une situation peut-être quelque peu... on va dire quelque peu négative. J'ai l'impression que vous allez donc lâcher prise sur une situation par rapport à ça, par rapport à ces deux cartes. Donc derrière, on a la femme tatouée, on est dans le présent, on est dans les symboles, et derrière, on a l'élément de feu. Ah oui, moi, pour moi, vous allez vous protéger. Regardez donc cette carte qui symbolise vraiment la protection, comme si vous mettez les mains en avant comme ça pour vous protéger de quelque chose, d'une situation. Donc par rapport à ce mardi, moi je ressens vraiment la protection. Vous allez vraiment vous protéger d'une situation. On va regarder avec l'oracle G, donc le message associé, et on finira avec le petit message des anges gardiens. On va voir un petit peu donc pour ce mardi. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage universel, il ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Mais vous pouvez prendre donc le message qui vous parle le plus, hein, qui résonne en vous. Allez, on y va avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? On a la maladie donc, et la rupture. Donc là, vous allez vous protéger donc, de quelqu'un qui voudra revenir vers vous. On est vraiment dans la vie de couple. Donc là, il y a vraiment une personne toxique qui voudra revenir pour se réconcilier. Donc regardez. Donc là, je vois vraiment la maladie. Donc là, on est sûr. Hein. Donc c'est sûr, c'est une affirmation. Et donc là, il y a une réconciliation avec une personne. Donc on vous conseille évidemment de ne pas accepter cette réconciliation. C'est quelqu'un avec qui vous avez rompu. Ça peut être une amitié ou un amour. Hein. Ça peut être, c'est quelqu'un de toute façon avec qui vous avez eu un accrochage, mais vraiment très sérieux, qui vous a trahi vraiment de manière excessive. Et là, donc, vous avez vraiment cette personne qui veut revenir vers vous. Et là, on vous conseille vraiment de ne pas accepter cette situation. Donc, on va regarder le message pour ce mardi. Vraiment, moi, je vous conseille de ne pas accepter. On est vraiment dans quelque chose de très, très négatif. Alors, il s'agit d'une personne qui vous a fait vraiment du mal. On est dans une personne jalouse, menteuse, une personne vraiment très, très toxique. Donc, cette personne, elle revient, mais ce n'est pas pour des bonnes raisons, vous voyez. Elle vous a aussi emprunté de l'argent, cette personne. Elle est venue chez vous. Et là, vraiment, on a la terre sinueuse qui symbolise vraiment... vous n'avez pas beaucoup construit de choses avec cette personne. On a l'impression qu'elle a bien profité de votre gentillesse. Allez, on va regarder deux messages. Donc, elle va vous promettre fidélité. Elle va vous promettre plein de choses. Vous voyez ? On a la carte du chien là qui vraiment... Alors, évidemment, moi, je ne suis pas une liseuse de cartes. Hein. Je suis vraiment une médium, donc j'entends, on me dit des choses. Hein. Et là, vraiment, ce que j'entends, c'est qu'on me dit attention, vraiment, on me dit dangerosité, on me dit vraiment
Il y a vraiment le mal qui plane sur vous là. Et on est vraiment même dans les sciences médiumiques. Cette personne, elle vous jette aussi des énergies très négatives, voire même le mauvais œil. Donc là, pour ce mardi. Donc vous allez avoir un choix à faire. Donc vous allez beaucoup penser à ce choix. Donc là, on a la carte du choix. Vous êtes une femme apparemment et vous pensez beaucoup à cette personne actuellement. Cette personne fait partie de votre passé et vous y pensez beaucoup. Hein. C'est comme si elle était toujours dans vos pensées. Hein. On a l'impression vraiment que elle manipule votre esprit aussi, cette personne. On a vraiment l'impression qu'elle hante vos pensées jour et nuit. On est dans les énergies de août. Moi, ce que je ressens vraiment beaucoup avec ces cartes qui viennent de sortir, on est vraiment dans le retour d'une personne toxique dans votre vie, que ce soit en amitié ou en amour. On a vraiment l'impression que cette personne, elle est là aussi pour vous demander des services ou de l'argent ou pour utiliser votre voiture. On a les trajets. C'est comme si, en fait, vous aviez une voiture, elle, non. Je ne sais pas, il y a vraiment une utilité. Elle est là pour vous utiliser. On est vraiment pas du tout dans de l'amitié ou dans l'amour. On est vraiment dans des énergies d'utilisation. On vous utilise, vraiment, on vous utilise. Et donc, vraiment, on vous conseille de ne pas lui parler. Voilà, donc si elle revient dans votre vie, vraiment de lui fermer la porte, hein, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs, ou que ce soit... Donc vous allez avoir des nouvelles donc aujourd'hui, hein, ce mardi. On a vraiment la carte... Alors cette personne, elle a perdu son travail ou elle ne travaille plus, ou alors elle doit de l'argent, je ne sais pas, mais il y a vraiment des gros problèmes financiers, vraiment des très très gros problèmes financiers. On est vraiment dans le côté peut-être plus sexuel, hein, parce qu'on a la sexualité qui ressort, donc on a la maladie qui revient. Et donc cette personne, je pense qu'elle est malade dans la tête. Hein. Donc vous avez la protection, donc vous allez vous en sortir. Mais vraiment, faites très très attention parce qu'elle manque d'équilibre psychologique. Cette personne, elle est vraiment, je pense, dangereuse dans un sens. Donc soyez vraiment très très... faites attention, il peut s'agir aussi d'une amie ou d'un ami ou quelqu'un de la famille qui vient vous voir aussi pour les vacances, je ne sais pas, mais c'est une personne vraiment toxique, une personne qui ne vous aime pas du tout, qui vient pour profiter. Donc, on va voir le message de l'ange gardien pour ce mardi. Alors, si vous aimez ce format comme ça, vous me le dites, hein, format un peu plus court et envoie ma tête. Donc, si vous aimez bien, pourquoi pas. On peut faire les deux solutions, hein, que les cartes ou que la tête. On peut varier un peu les plaisirs, les amis. Donc, on a l'affirmation, la carte de l'affirmation pour ce mardi. Donc, je vais vous le lire. Sois conscient de l'impact de ton langage, de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Gratitude. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Bien, c'est ce que je vous dis tous les jours, les amis. Soyez reconnaissants et de la gratitude. Dites merci. Et c'est exactement ce que moi, j'ai compris depuis très, très longtemps maintenant. Dire merci, c'est vraiment la plus belle des choses. Et je vous remercie, les amis, d'être là, d'être fidèles. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, voilà, à mettre des petits cœurs, à mettre des petits pouces en l'air. C'est super important pour aider la chaîne. Si vous aimez ce contenu, eh bien, il faut le manifester dans la matière. Merci. Gratitude, passez à un beau mardi. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, je vous fais de gros gros bisous. Et soyez tous bénis pour ce beau mardi. À très bientôt.